C'est l'histoire du magicien qui a pris nos corps en main. Il a voulu, oui, faire de nous ce que surtout l'on ne veut pas. Oh, ce magicien, il s'amuse et il rit de moi. Je suis entre ses mains. À un moment donné, on parlait, puis on entend du bruit, comme si quelqu'un arrivait. Jean, justement, il est en train de mettre de la musique à ce moment-là. Oups! Il rentre un bonhomme. Tout le monde, là, on se demandait bien qui ça pouvait être, parce qu'on n'attendait personne ce soir-là. Mais on s'inquiétait pas plus que ça. Fait que Jean, il a offert de s'asseoir, puis il a offert une bière, je pense, si je me souviens bien. Est-ce que vous le connaissiez? Vous l'aviez déjà vu? Jean disait qu'il l'avait vu dans l'après-midi dans un bar, puis c'est ça, il l'avait invité à venir, mais il était plus sûr si c'était le même bonhomme. Fait que, dans le fond, je pense qu'il le connaissait pas plus que nous autres. Peut-être que c'était un inconnu. J'ai demandé comment il s'appelait, puis il a pas répondu. Puis Michel, celui qui était en blanc, lui était chaud, il faisait des jokes à propos de ça. Il me demandait si j'avais peur du bonhomme 7 heures puisque je m'inquiétais de l'étranger. Mais est-ce qu'il parlait, lui? Est-ce qu'il s'est présenté? Non. Il disait rien au début. Nous autres, on le regardait. Mais finalement, on a décidé de pas de s'en occuper trop, étant donné qu'il avait pas l'air de vouloir parler avec nous autres. Là, ben, Jean, il a offert une cigarette. L'étranger n'a pas voulu, puis je me souviens d'avoir dit, ah, peut-être qu'il voudrait d'autres choses. Finalement, encore là, on a laissé aller. Hein? Les habitudes sont un trait d'union entre matière et esprit, car sous leurs influences, les actes libres de l'un se rapprochent indéfiniment du mouvement machinal de l'autre. J'ai demandé d'où il venait, parce que j'avais l'impression déjà de le connaître et de l'avoir vu peut-être à l'université. Mais c'était pas ça. L'esprit humain peut observer tous les phénomènes sauf les siens propres. Est-ce qu'il restait là longtemps ou... Pour l'instant, il bougeait pas. Puis il nous observait, puis à ce moment-là, j'ai dit à Jean que je le trouvais bizarre un peu. Jean m'a répondu qu'il était Winston, d'après lui. Puis, c'est ça qu'on a tout pensé. Puis là, ben, Véronique m'a dit qu'elle voulait me montrer ses photos. Puis j'étais toute surprise qu'il était déjà développé. C'était des photos d'un voyage qu'on avait fait ensemble. Fait qu'on a commencé à regarder ça. L'État est l'origine et la fin de la liberté. Je parlais avec un peu. L'étranger avait commencé à placoter. Est-ce qu'il dit pourquoi il était venu chez vous ou... Ah non. Ce qu'il disait, c'était vraiment étrange. Jetons les yeux sur ce qui se passe autour de nous. La principale cause de la misère est le nombre excessif de nobles. Prolongs oisifs qui se nourrissent de la sueur et du travail d'autrui, et qui font cultiver leur terre en rasant leurs fermiers jusqu'au vif pour augmenter leurs revenus. Attention à ces paroles, parce que nous autres, on était bien plus observés par nos poteaux, hein? Mais Jean, lui, il essayait de comprendre quelque chose, de dialoguer. Puis Michel, ben lui, de toute façon, il était assez mêlé déjà comme ça. Lui aussi, il était plus intéressé par les photos. Hein. Mais vous deviez quand même vous demander qu'est-ce qu'il faisait là. Oui, c'est justement là que je commençais à m'intriguer un peu. Je commençais à me fatiguer un petit peu plus. Puis j'ai demandé encore une autre fois à Jean. Puis, il m'a encore fait la même réponse que pour moi, le bonhomme était bien défoncé. Mais...
comment conduire, on accepte n'importe qui. Dans le fond, en autant qu'il nous dérangeait pas. Mais là, je commençais à me sentir mal. Je sais ben pas qu'est-ce que j'avais sur le coup. Michel, lui, s'était rendu compte de rien. Ça m'avait pris soudainement. Il m'inspirait comme de la... une crainte. Un drôle de sentiment, c'est presque inexplicable. Michel avait décidé d'allumer la lumière, mais le globe a sauté comme il arrivait pour l'allumer. Que la présence de cet homme-là nous faisait comme peu être nous-mêmes. Comme si peu à peu, il prenait possession de nous. Il nous faisait dire des choses ou ressentir des choses. À ce moment-là, je me souviens d'avoir dit une phrase. Laquelle, ça, c'est m'en souvenir, mais c'était vraiment pas moi qui parlais. Mes lèvres bougeaient, d'accord, j'ai dit des mots, mais ça venait pas moi. Oh, il avait vraiment pris complètement possession de mon corps. Continuation de la politique par d'autres moyens. La politique est la matrice dans laquelle la guerre se développe. Même Michel, qui s'en foutait au début, commençait à faire du lui aussi, hein? Casse sa bière sur la table. On avait tous perdu le contrôle. Est-ce que c'était comme une force venue de l'extérieur ou... Est-ce que vous avez conscience de vos gestes et paroles? Un peu, mais c'était plus fort que nous. On pouvait pas s'empêcher si c'était... L'obéissance a rapport à la volonté de celui qui commande. Non à la nécessité et à la vérité des choses. En même temps, on essayait de lutter, mais on n'était pas assez fort. On pouvait pas résister. La liberté n'est pas la condition de la responsabilité, mais la conséquence. Et ce n'est pas parce que l'homme est libre qu'il est responsable. C'est parce qu'il est socialement responsable qu'il se croit libre. Dominer, c'est bâtir une pyramide de soumission et de dépendance, où chacun se croyant le maître et l'esclave d'un autre. L'assimilation du chef, la transparence au prince sont des moyens grâce auxquels chacun prend sur soi de s'ériger en maître de son voisin. Illusion de la maîtrise, telle est la source et le fondement de la servitude volontaire. Même là, on voyait. Oh, tout à coup, Véronique hallucinait, elle envoyait du sang sous la porte. La loi est exclusivement un précepte, une règle coercitive assortie de sanctions, règles qui deviennent efficaces que par la volonté du souverain. Lorsqu'un peuple est aliéné, ce ne sont pas les personnes elles-mêmes qui deviennent la propriété d'autrui, mais c'est le droit perpétuel de les gouverner considéré comme constituant un peuple. Là, j'ai compris, là, que le pouvoir, c'était pas nous autres, puis que j'étais prise par le pouvoir. Thank you.
pourquoi, mais j'ai enlevé mon châle, je me le suis passé dans le cou, puis je me suis pendue, sans c'est savoir. L'histoire du magicien. Quand Jean a vu ça, il a voulu lui faire de nous ce que surtout l'on ne veut pas. Oh, mais ce magicien, il s'amuse et il rit de nous. Nous sommes entre ses mains. Je ne sais pas si je me révolte. Si un homme sait se gouverner lui-même, n'a pas le droit de quelle nous difficulté manipuler. Aura-t-il à gouverner l'État? La violence n'est pas une catégorie de pensée, mais une modalité de l'action. C'est un mode d'existence politique d'un peuple. Elle est l'élément de la vie politique pratique. Maillon violent de la grande chaîne, elle hisse le peuple à la hauteur du leader. À quoi bon parler de notre état mental? Je suis si révoltée que dans nos têtes survient le mal. Michel, au moins lui, il y a eu un instant où il s'est rendu compte. C'était tellement atroce, il s'est tiré par la fenêtre. Quand il a réalisé qu'il dans ce chapeau et qu'il était de faire de nous des humains sans leur cerveau. Quelle idée de m'enfermer dans un cercueil à épée. Et quelle idée de nous changer en mille mouchoirs rassemblés. Oh, ce magicien, il s'amuse et il rit de nous. Nous sommes entre ses mains. Oh, oh, la. Je suis partout à la fois. Beaucoup me connaissent. Certains me méprisent ou m'haïssent. Mais par contre, beaucoup m'aiment. À tes yeux, nous ne sommes rien. Tu crois vraiment tout savoir. Oh, ce magicien, il s'amuse et il rit de nous. Nous sommes entre ses mains. Faut-il toujours être le plus fort de tout, en dominer la terre et le faire comme un fou.